sait rien. Les uns passent à chaque coin. Est-ce qu'on en verra la fin? Salut mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui sur TN2 bien entendu, par rapport au DSC Vive la France. Je vais vous montrer à quel point ils ont super bien travaillé sur le DSC Vive la France. Ils ont fait une petite ville à côté de chez moi, où je suis de Bourges. Ils ont fait une petite ville qui s'appelle la Chapelle Saint-Ursin. Et vous allez voir que à quel point c'est très réaliste par rapport au décor, à l'usine qu'il y a. Et vous allez voir, vous allez comparer entre les deux vidéos que je vous ai fait. Donc là on va s'approcher tout doucement. En plus c'est impeccable, il fait très beau aujourd'hui. Donc là au loin vous voyez un silo. Donc là on va traverser un pont d'abord, le pont de l'autoroute. Je peux vous garantir que ici il y a ce pont là par rapport à l'autoroute. Et ici nous arrivons à la chapelle Saint-Ursin. Et ici, sur votre gauche, vous allez voir, il y a le silo. Après, on va arriver à un passage à niveau. Alors, je me trompe, c'était le deuxième silo, c'est vrai qu'il y en avait deux. Donc là, le premier silo avec les trains, le passage à niveau, ensuite sur votre droite vous avez un grand parking qui appartient à l'usine qui est en face, donc là à notre gauche. Et ensuite nous quittons la chapelle Saint-Ursin avec ces grands barbelés sur votre gauche. Alors je ne citerai pas le nom de l'usine, au cas où. C'est une usine assez, on va dire assez importante. Voilà, et là on quitte. Je vais refaire la même chose dans l'autre sens pour bien vous montrer. Alors c'est pas bien ce que je vais faire, mais je vais faire un petit demi-tour ici. Même pas, il y a une barrière. Ouais, c'est pas comme ça. On va tomber dans le ravin. Enfin, dans le ravin, dans le fossé. Wow. Allez, on continue. Dans le sens. Eh, on est sur OTS, hein, on n'est pas sur farming. Ah, mais. Ce jeu. Ce jeu nous rendra fous. Donc là. Dans le centre, bien sûr, sur la droite, des grandes barbelées. On va se mettre en vue extérieure. On va enlever tout ça. Donc, sur la gauche, le parking pour les salariés de l'usine est à droite. Ensuite, on arrive à un passage à niveau. Juste après ce passage à niveau, le silo avec les wagons. Et là je vous certifie que là à droite il y avait les pouilles et les canards. Et voilà. Et ensuite on quitte la chapelle Saint-Ursin à l'opposé. Voilà, c'était juste une vidéo pour vous montrer à quel point ils ont super bien travaillé. Si jamais vous êtes dans un coin et qu'il y a dans le DLC il y a votre ville, avec l'expérience, regardez un peu s'il y a des comparaisons. C'est qu'à Orléans par exemple il y a l'entreprise DM. Et cette entreprise là existe réellement à Orléans. Donc n'hésitez pas à faire des comparaisons, à nous le dire dans les commentaires. C'est avec plaisir qu'on partagera tout ça. Donc voilà.
Hop là. Allez, pour les fans de la fin, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Mes petits lapins, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien, travaillez bien, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est pas grand chose, mais... quand j'avais vu ça, j'ai dit tiens, c'est vraiment très proche de la réalité. Donc je voulais vous faire partager pardon, ce petit moment-là avec la fin du sud. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous sur la route. Faites pas comme certains abrutis qui filment en train de conduire. Je ne vois pas de qui on parle. Sur ce, passez une très bonne journée et à très bientôt mes petits lapins. Ciao, ciao!